Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Arnold au Real Madrid. Mais avant toute chose, like, abonne-toi et c'est parti. L'arrivée du latéral de Liverpool à Madrid serait-elle une bonne idée? Et est-ce que c'est possible? Tout d'abord, est-ce que l'arrivée de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid serait une bonne idée? Et la réponse est oui. C'est une évidence car il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C'est un des meilleurs latérales à son poste. Il est impressionnant. Il fait partie des meilleurs latéraux du monde du moment. Il est impressionnant avec Liverpool. Certes, en défense, il n'est pas incroyable. Mais en attaque, c'est un des meilleurs au monde. Il est vraiment incroyable. Son apport offensivement avec les restes de Liverpool est vraiment mémorable. C'est admirable. C'est vraiment incroyable. Et donc, j'en conclus que l'arrivée d'Arnold au Real Madrid serait une bonne idée. De plus, c'est également une bonne idée car il pourrait remplacer Carvajal. Carvajal se fait vieux, il est de moins en moins performant avec le Real. Et donc, je pense que pour remplacer Carvajal, Arnold serait le meilleur choix. Et ensuite, est-ce que l'arrivée d'Arnold au Real Madrid serait possible? Est-ce que le défenseur anglais de Liverpool pourrait potentiellement rejoindre l'écurie madrilène lors du prochain mercato estival? Et la réponse est non. En effet, l'anglais ne devrait malheureusement pas rejoindre le Real Madrid cet été. Le Real ne semble pas intéressé. Pour le moment, il n'y a aucune information crédible qui affirme que Arnold va rejoindre les merengues. Arnold est bel et bien un joueur de Liverpool et non du Real Madrid. Arnold fait partie sans aucun doute des meilleurs joueurs du monde. C'est un des meilleurs footballeurs de la planète. C'est un des meilleurs latéraux droits, comme je l'ai dit précédemment, mais pour l'instant, son arrivée à Madrid semble improbable. Je ne dis pas qu'elle est impossible, car je le rappelle, dans le football, tout est possible. Mais pour le moment, elle semble vraiment assez inaccessible, car le Real ne semble pas fortement intéressé. Voici pour ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Like, abonne-toi, c'est le plus important, et ciao.